Et merci Maurice Kamto pour l'histoire. Maurice Kamto a totalement inscrit Ernest Obama depuis plusieurs années sur les listes noires du MRC ainsi que toutes ses émissions. D'ailleurs, cette liste noire n'est pas devenue blanche jusqu'à présent. Les émissions et autres ne sont pas toujours dans la programmation du MRC. Le soutien ainsi enregistré surprend plusieurs observateurs. Sylvestre Messi. Personne n'aurait pu imaginer les deux profils associés pour nuire à la réputation de l'homme d'affaires camerounais Jean-Pierre Amoroubilinga. Mais dans ce tweet plutôt surprenant, Maurice Kamto, farouche opposant au régime en place, manifeste son soutien à Ernest Obama, ancien directeur des Vision 4, poursuivi pour détournement, surfacturation et haute trahison. Le candidat malheureux de la présidentielle 2018, dont les sorties médiatiques convainquent de moins en moins les Camerounais, aurait donc par coup de baguette magique oublié l'hostilité de son nouveau protégé au mouvement pour la renaissance du Cameroun, parti au sein duquel ce dernier était reconnu persona non grata pour ses prises d'opposition. Le refus du candidat du MRC de participer aux émissions présentées par Ernest Obama pendant la présidentielle 2018 reste encore gravé dans les esprits du CID. Outre cette étrange intérêt des camps tout sur le cas Obama, qui n'est en rien un délit de presse, d'autres réactions. Mais il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. L'étonnant soutien des nouveaux amis du mis en cause met ainsi en lumière les véritables intentions des détracteurs de Jean-Pierre Amoroubilinga et de son consortium. Le promoteur des médias et employeur de près d'un millier d'individus paye donc injustement le prix de son dynamisme, son soutien indéfectible des institutions de son pays et de la sous-région. Région et surtout sa générosité sans limite qui ronge les cœurs de tous les aigris. Comment comprendre le coup?